coût humain de cette guerre augmente de jour en jour. Une catastrophe humanitaire se déroule sous nos yeux. Plus de 2 millions de personnes ont été déplacées de leur foyer et des millions d'autres ont immédiatement besoin d'une aide humanitaire vitale, notamment alimentaire, mais aussi de l'eau, des abris et des soins de santé. Au moins 400 000 personnes vivent dans des conditions proches de la famine. S'adressant au Conseil de sécurité de l'ONU, M. Guterres a appelé à un cessez-le-feu immédiat et à un dialogue politique national. Mais la perspective de pourparlers entre le gouvernement éthiopien et les dirigeants du Tigré est incertaine. Le Front populaire de libération du Tigré s'est engagé à négocier la fin de la guerre. Cependant, les États-Unis ont déclaré au Conseil de sécurité que le gouvernement éthiopien n'avait pas répondu positivement aux appels à des pourparlers. La guerre qui dure depuis 9 mois au Tigré a fait des milliers de morts et près d'un demi-million de personnes souffrent de la famine.